Hello, hello, belle bonsoir à tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, notre rendez-vous hebdomadaire Secret Femme, et oui, 45 minutes pour découvrir une nouvelle queen, un parcours atypique, un parcours inspirant, et c'est toujours un plaisir pour moi d'accueillir cette saison, particulièrement les queens qui sont présentes sur ce plateau parce que, et oui, qu'on dise autre, c'est Aché ou V, aussi bien sur le parcours personnel que sur le parcours professionnel. Ce sont des queens qui ont accepté de venir sur le plateau, témoigner de leur histoire, révéler leurs secrets d'épanouissement, de réussite et surtout partager avec nous leurs moments forts mais aussi leurs moments un petit peu plus down comme on les appelle. Aujourd'hui encore, je reçois une queen. Elle est âgée de 57 ans et la thématique de cet épisode, c'est violence et reconstruction, parce qu'au travers de son parcours, nous allons aborder, en tout cas elle a décidé de nous dévoiler les différentes violences qu'elle a subies et surtout comment, au travers de toutes ces expériences, elle a su se reconstruire et aujourd'hui devenir la femme inspirante qu'elle est aujourd'hui. En paix disons qu'en 45 minutes, on l'obtient à découvrir ici. Alors, restez avec nous. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Je vous rappelle que cette émission est en direct, télé et Facebook. Et oui, vous pouvez à tout moment donc nous appeler au 0690 96 10 10, et pour ces moules là qui aiment Facebook là, et bien voilà, vous nous faites un petit coucou sur les réseaux, vous posez vos questions et de temps en temps on j'ai connaître en quai prenant un moment pour répondre. Yannick Lolia est avec nous, sans plus tarder, la queen du jour. Yannick, je te disais, bienvenue à toi, je te l'ai dit, hors caméra, je te le dis, face caméra, je suis vraiment très très honorée de t'avoir sur le plateau. Ça fait un moment que tu as déjà parlé de ça, et puis on a pris la décision de rendre les choses concrètes. Merci d'être là. Merci à toi également. Je crois que tu es ravissante, j'aime beaucoup ce que tu portes. Merci, merci. Alors, Yannick, en tout cas, dit, parcours là quand même est vraiment très très riche. Nous gagnons l'obité à dire et vraiment qu'à espérer que ces formes-là, ces noms-là aussi qui sont gardés là, en tout cas, ben, yoke, sentio, ben, inspiré par parcours, parce que je dis là, en tout cas, ou décider de raconter nous histoire à Tchè ou Vin. On peut dire ça? On peut dire ça. Tu es prête? Je suis prête. Super. Alors, on va commencer, Janine. Est-ce que tu peux nous dire, nous parler un petit peu de ton enfance? Où l'on grandit? Qui genre de timounouteye? Et qui genre tes cellules familiales ont été composées? Alors, j'ai grandi à Pointe-à-Pitre, tout d'abord, parce que je suis née à la clinique Lemaître. Et puis, les parents sont partis après sur Capesterre. Donc, j'ai la petite enfance, c'était vraiment sur Capesterre. La cellule familiale, j'ai découvert assez tôt que quelque chose n'allait pas entre mon père et ma mère, puisque mon père est un alcoolique et un violent, mais uniquement envers ma mère. Et dans la tête d'une petite fille, à la base, où ça peut sembler logique, au bout d'un moment, il n'y a plus de logique. Et à aucun moment, je n'ai vu ma mère pleurer ou je l'ai pu l'entendre crier, parce que j'ai su bien plus tard qu'elle s'efforçait de cacher ça, donc de ne pas crier ou de ne pas pleurer devant nous, enfants. Et la seule fois où je crois que j'ai dû voir une scène assez violente, j'avais 5 ans. Et à ce moment-là, sur mes 5 ans, enfin du haut de mes 5 ans, j'ai dit à ma mère, pars parce qu'il va te tuer. Alors c'est ce que tu dis, c'est la question que j'allais te poser. Quand tu dis tôt, à partir de quel âge on prend conscience que sa mère, elle subit des violences physiques de la part de son papa? Et là, tu as mis un âge à peu près 5 ans déjà. J'ai mis 5 ans parce qu'avant 5 ans, je n'ai pas vraiment de souvenirs. Je n'ai pas de souvenirs. J'ai des souvenirs de moi avec mon père. Je sais que c'est quelqu'un qui m'aimait beaucoup. Il n'aurait pas supporté que quelqu'un me touche. Et en même temps, il avait ce comportement que, moi, je trouvais un peu bizarre, quoi. Parce qu'il n'y avait pas de logique que des adultes se battent, ou plus ou moins un adulte arrive à taper un autre adulte. Alors, quelles sont les scènes dont tu te rappelles, les scènes qui marquent en tant qu'enfant, en tout cas? La scène qui m'a le plus marqué, c'est ce jour où j'ai dit à ma mère de partir, parce que là, il y avait une telle violence que
que à l'époque on avait des fers à repasser, comment dirais-je, en fer, ce qu'on mettait sur le feu. Et mon père a pris ce fer pour le lancer vers ma mère. Et il y avait mon petit frère qui avait à peine un an qui était dans son berceau. Et l'image que j'ai, c'est que ça a frôlé son visage pour retomber dans le berceau. Et là, mon frère qui se met à crier. Enfin bref, c'est des cris, c'est des pleurs. Une scène effroyable. Oui, une scène effroyable. Et moi-même qui crie sur mon père en lui disant d'arrêter, parce que là, c'est incompréhensible. Et puis, à un moment donné... par fatigue ou autre, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, il lâche prise quelques secondes pour aller dans la chambre faire je ne sais trop quoi. Et à ce moment-là, je dis à ma mère, pars. Et là, elle s'en va. Et l'image que j'ai de ma mère, c'est de la voir se retourner et de me regarder, mais avec vraiment des larmes aux yeux. Mais j'ai le temps de lui dire, surtout, ne nous laisse pas. Et donc, elle s'en va. Et lui, il revient à ce moment-là, il ne la voyant plus. Bah, il retourne dans sa chambre et puis je crois qu'à ce moment-là, il est parti cuver son alcool, quoi. Mmh. Donc voilà. Et le lendemain, très tôt, c'est le voisin qui est venu. J'ai entendu le voisin lui dire « Je suis venu chercher des enfants parce que là, nous avons pu héberger ta femme ce soir, hier soir. Mais là, je crois qu'elle a pris la décision de s'en aller. » Donc, je viens récupérer les enfants. Et c'est comme ça que nous sommes partis. Et c'était la dernière fois que tu voyais ton père et ta mère dans ces scènes. Voilà. Et donc, mon petit frère et moi, nous avons suivi le voisin et ma mère nous attendait sur le bord de la route. Et là, on a pris un transport commun et on est parti chez ma tante, qui était une demi-sœur de ma mère, qui habitait au Gosier. Et on a rejoint cette famille-là. Quoi. Tu te rappelles les émotions que tu ressens à ce moment-là? Comment tu perçois la suite en tant qu'enfant, séparé des parents, qui vient de voir quand même une scène terrible. Ben, la suite, à 5 ans, on n'a pas de suite en tête. On ne sait pas ce qui se passe. La seule chose, c'est que voilà, c'est une situation qui est assez triste à supporter et à vivre, surtout. Donc, et puis là, bon, on arrive chez ma tante. Et ma tante héberge ma mère pendant quelques temps. Mais il y avait une chose particulière, c'est que j'ai eu toujours l'impression que mon père, la seule personne dont il avait peur, c'était de cette tante-là, qui était un homme manqué, si je peux dire, à l'époque. Hein. C'était une femme, je l'ai rarement vue en robe ou autre. Elle avait des cheveux très courts, toujours en pantalon. Elle avait une démarche d'homme. Et puis, finalement, quelques temps après, puisque mon père a... bien entendu, a tenté de revenir, de ramener ma mère. Et là, ma tante avait des copains, parce que c'était une femme qui avait beaucoup d'hommes dans sa vie, mais des hommes, des amis, hein, puisque c'était quelqu'un qui était dans le gros car, dans les bars, enfin. Et elle a pris au moins 8 voitures. Elle a réuni tous ses amis avec 8 voitures. Ils sont descendus sur Capesterre. Et là, elle a dit à mon père, je suis venue chercher les affaires de ma sœur et je te défends de chercher à la rejoindre. Et là, ça a été la fin. Et puis, le frère de ma mère l'a tout de suite envoyé en France, sachant que, bon, mon père n'allait pas s'arrêter comme ça. Et ma foi, nous sommes restés le temps que ma mère, elle aille chercher du travail, qu'elle s'installe. Deux ans. Ça a mis 2 ans. 2 ans où nous, mon petit frère et moi, nous sommes restés chez ma tante, qui avait déjà une dizaine d'enfants. Donc, la situation n'était pas toujours rose. Hein. Et puis, bon, quand les 2 ans sont arrivés, ça a été vraiment le soulagement de retrouver ma mère, quoi. Entre-temps, est-ce que puisque tu es avec ton frère, vous conservez les relations avec ce père? Pas du tout. La relation est complètement coupée. J'ai eu... peut-être l'occasion de lui envoyer un courrier à l'époque où j'allais me marier pour lui demander de m'aider ou autre. Bon, il n'y a jamais eu de retour, je m'attendais pas plus que ça non plus. Et je crois que 16 ans sont passés avant que je ne le revoie. Et ça a été parce que j'ai eu mon aîné qui avait à peine quelques mois et je suis venue aux Antilles et comme j'étais venue aussi... montrer à la famille ma fille, donc je suis passée le voir. Bon, il m'a même pas reconnue.
Je veux dire, mon père était un dragueur de femmes fini, si bien que le frère que j'avais avec moi, enfin qui m'avait accompagné, il lui a dit, ben, père, t-shirt, là, on est là, est bien belle, quoi. Et donc mon frère lui dit, ouais, mais c'est ta fille, quoi. Ah oui. D'accord. Ouais, ça la marque aussi. Ça, ouais, ça. Ouais, ça la fout mal un peu, quoi. Ouais. Quand même. Ouais. Mais tu m'as confié que tu grandis quand même avec cette phrase que tu te répètes, jamais ce genre de choses, hein, par chose, c'est la situation dans laquelle ta mère était, ne pourrait t'arriver. Mmh. Oui, je me répète cette phrase et c'est vrai qu'avec du recul, je me dis, mais ce comportement de mon père ou de cet environnement, parce qu'on dit quand même on est le résultat de son environnement, mine de rien, c'est certainement inconscient. Mais à l'école, je me rends compte que je suis très sur la défensive. Donc, pour un oui ou un non, je me bats tout de suite. Je mm-hmm. saute sur les gens, sur les camarades de classe. Enfin, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai en fait cette violence qui ressurgit. Violence, voilà, qui ressurgit. Et en fait, bon, on ne comprend rien. Ben, le jour où on passe par une situation où on se dit, ben, merde, qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Comment moi je subis ça, alors que c'était pas du tout dans cette optique de vie de dire que je un jour ou l'autre, non. Mais on se rend compte qu'il y a une programmation qui est là, mine de rien, qui nous suit. Inconsciente. Une programmation inconsciente, parce que forcément ça se passe sur d'autres plans, c'est sur un autre plan, et c'est après avoir fait tout ce parcours en développement personnel que j'ai compris sur quel plan ça se situe. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement des relations dans lesquelles tu t'es confrontée justement à cette violence, finalement ? Oui. Alors, à 22 ans, ben, je rencontre un homme qui m'a l'air sympathique, hein, qui m'a l'air bon, plus ou moins bien, hein, comme on dit, ce n'est écrit sur le visage de personne. Et tu le rencontres, entre parenthèses, dans un cadre particulier? Je le rencontre dans un cadre particulier parce que à l'époque, ben, je fais partie d'une religion. Et cet homme aussi fait partie de cette religion-là. Et puis, ben, nous nous rencontrons, mais je vais dire... Enfin, je ne vais pas parler d'amour. C'est pas une attirance, dire « ça y est, j'ai le coup de foudre ». C'est pas vrai, il n'y a pas ça. Donc, moi, je me retrouve quelque part dans une optique de loyauté envers la religion qui gère son espace, qui gère ton temps, qui gère tes relations, qui gère ce que tu es, toi, en tant qu'individu. Et donc, je finis par me marier avec cet homme, en fait. Et le jour du mariage, lors de la préparation, je me rends compte que je prépare tout le monde, j'habille tout le monde, je maquille tout le monde, sauf moi. Donc, quelque part, je sens déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça a toujours été quelqu'un qui a toujours été en retard dans tout. Mais là, il est en avance. Il est même plus que prêt. Ça se passe, le mariage se fait. Et puis, le soir, arrivé, je m'effondre complètement. Mais totalement, je me mets à pleurer. Lui, il ne comprend pas. Et je lui dis, en fait, je me rends compte que j'ai fait une connerie, quoi, de m'être mariée. Et là, ben, le mec, il... Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Et puis, il y a les premiers coups de poing qui partent. C'était les premiers gestes violents. Voilà, les premiers gestes violents. Est-ce que ça a été les premiers, justement ? Non. Parce qu'après, je me rends compte que lors des fiançailles, si l'on peut dire, il y a eu un moment où il m'avait bousculé. Nous étions en train de discuter de tout et de rien. Franchement, je ne sais pas de comment s'est passée cette discussion. Oui, il s'est mis à me bousculer. Et mon frère m'avait fait une réflexion à l'époque. Mon frère m'avait dit, mais si un homme te bouscule déjà, alors que Zopo Maillé, mais imagine les Zopo Maillé, qu'est-ce qu'il fait? Et ça, c'est, comme on dit, ce sont généralement les signaux d'alerte. Mais même là, non, ça ne passe pas. Là, ça ne passe pas. On est dans une religion. On ne peut pas imaginer que ça allait... pire que soi, puisque bon, la religion t'enseigne qu'il faut aimer ta femme, aimer ta famille, enfin bref, il y a des valeurs, il y a des règles, il y a tout des principes derrière. Donc tu te dis mais non, c'est sur le moment, bon, le gars était énervé, et bon, il va apprendre à se maîtriser. Mais après là, on s'aperçoit que un homme reste un homme, religion ou pas, hein.
Donc voilà, et ce jour de mariage, ça a été le jour quoi. Le jour qui a emmené d'autres séries. Alors souvent on demande aux femmes, et ça je vais te poser la question, pourquoi lorsque la première fois cela arrive, pourquoi on reste? Pourquoi on reste? Parce que sur le moment, il y a la surprise. La surprise du geste. Et puis, il y a un blocage qui se fait au niveau du cerveau, qui dit, et puis qui se justifie. Hein, mais non, mais voilà, ça s'est fait une fois, ça ne va pas se refaire. Parce qu'on ne peut même pas imaginer que ça puisse se refaire. Mmh. Bon. Et là, je pense que c'est la peur. Et puis, il y a tout un processus après qui se met en place. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a cette blessure de l'enfance qui est là, qui emmène un comportement, puisque voir sa mère ne pas réagir, ben, ça t'emmène, toi, quelques années plus tard, à adopter le comportement. Parce que le cerveau a enregistré des informations. Et ces informations-là, il te les balance forcément. Alors, même si au début, on se dit « ça peut que jamais arriver, nous », lorsqu'on se retrouve dans cette situation, visiblement, on a des automatismes, des réflexes qui sont enclenchés. Ben, je dirais qu'il y a les automatismes du cerveau, de la mémoire. La mémoire cellulaire, elle est là. Et donc, les neurones ayant enregistré des informations, ces neurones miroirs te les balancent. Puisqu'il y a eu le miroir avec tes parents, je te les balance. Bon, lui aussi, il a été élevé dans une famille où le père violentait la mère. Donc, il faut encore comprendre l'environnement et le contexte. Donc, ce sont deux individus qui sont dans une situation de souffrance de blessures qui ne sont pas guéries. Mm-hmm. Et forcément, à travers les comportements, c'est d'extérioriser ces blessures-là sans comprendre exactement ce qui se passe. C'est bien longtemps après que, quand on fait un travail sur soi, qu'on a compris ce qui s'est passé. Et qu'on peut dénouer, aller chercher les traumas, etc. Voilà. Mais il faut faire un travail sur soi. Il faut faire un travail. Tu dis que tu es resté 12 ans. Tu as subi 12 ans. Les violences, on peut le mettre au pluriel parce qu'il y en a, eu sur plusieurs formes. Mm. Comment ça se déclinait? Les violences comment physiques. Comment passer 12 ans? Les violences physiques, voilà, pourquoi un homme vous frappe? Il vous frappe parce que vous avez brûlé le repas. Il vous frappe parce que vous avez oublié d'acheter je ne sais trop quoi. Tous les prétextes sont bons. Tous les prétextes sont bons. Et puis, c'est encore pire si... on parle de violence aussi psychologique. Ça veut dire aussi qu'il y a le verbal derrière. Mm-hmm. Puisque tant qu'à faire, vaut mieux... comment je vais dire? C'est-à-dire qu'on va dire à l'autre ce qu'on pense de soi, mais sans savoir que c'est parce que c'est de soi qu'on parle. Puisque l'autre, on ne peut qu'être en mesure de l'abaisser, puisque la violence, ce n'est pas un acte valorisant. Et après ça, dans cette violence-là, il y a des moments où c'est assez particulier chez les hommes, que cela peut emmener justement une activation de la libido, une érection qui fait qu'à ce moment-là, il a envie de se dégorger, il a envie de lâcher ce qu'il a lâché. Alors que la femme, non seulement quand elle est dans son stress, elle est dans sa tristesse ou elle est dans sa souffrance, elle n'a pas forcément envie, elle aura plus une perte de libido. Mais ce qui est compréhensible en soi. Ce qui est compréhensible en soi, mais pour mm-hmm. certains hommes, mm-hmm. la violence active, c'est comme si l'adrénaline dans le corps. Donc à ce moment-là, l'homme vous oblige à faire l'amour avec lui alors que vous n'en avez pas envie. Donc si vous dites non, ça part toujours sur des coups. Et ça part que le fait que même si tu dis non, le mec il se sert, quoi, il fait ce qu'il a à faire. Mais moi à l'époque, on ne parlait pas vraiment de viol dans le couple. Hein. Exactement. C'est bien longtemps après. Encore moins dans le schéma marital. C'est de plus en plus qu'on en parle, de plus en plus de femmes mariées qui osent témoigner que, refuser un acte sexuel en étant mariée, c'est possible. Et si le conjoint force, on est en présence de viol. Ça, c'est juridiquement aussi un fait. Mm-hmm. Mais oui, mais c'est vrai que vivre ça, pour la femme, l'émotion qu'il y a derrière, après, c'est de se sentir sale, quoi. De se sentir complètement salie, bafouée, humiliée, mais au plus profond de sa chair. Parce que moi, je vois pour ma mère, lorsque je lui parlais de ça, pour elle, c'était presque, même si tu n'as pas envie, mais c'est un devoir. C'est un devoir conjugal. C'est un devoir conjugal. C'est bon. Maintenant, heureusement que quelque part, ça a changé
dans la tête ou dans la culture. Mais avant, ce n'était pas évident. Il t'a fallu quel déclic pour t'en sortir? Comment tu t'en es sortie après 12 ans? C'est grâce à un autre homme, justement, qui m'a dit « c'est pas possible que tu puisses rester dans cette situation ». Te confies à lui, comment ça se passe? Je me confie. Tu as cette facilité en parler. Lui, il s'aperçoit de certains comportements. Ça veut dire que forcément, il y a un manque de liberté, puisque l'homme violent à la maison, il s'attend à ce que tu rentres à l'heure. Mm-hmm. Il s'attend à ce que, voilà, que tu aies tel comportement en rentrant. Et quand tu ne l'as pas, les personnes autour qui étaient autour de moi, dont cet homme, voyaient qu'il y avait des signes qui n'allaient pas. Je disais non, mais là, il faut que je rentre absolument. Si je ne rentre pas, je vais encore me faire engueuler et tout. Bon, enfin bref. Et lui disait, mais attends, il y a un truc qui ne va pas, il faut que tu me parles, quoi. Donc, puis un jour, je lui en ai parlé. Il m'a dit, mais ce n'est pas possible que tu puisses rester dans une situation comme ça. Et là, à l'époque, je faisais du sport chez Nubré. Et en haut, à l'étage, il y avait un cours de judo. Et un jour, je suis allée voir et j'ai dit, peut-être le seul moyen que j'ai de retrouver l'estime et la confiance en moi, c'est de pratiquer quelque chose qui va me permettre déjà, une, d'extérioriser cette violence qu'il y avait, déjà en moi, mais aussi de comprendre et puis de faire face aussi à quelqu'un qui est beaucoup plus fort que vous, plus grand, plus costaud. Et là, je suis partie une année à faire du judo. Et quand j'ai commencé à prendre cette confiance en moi et à constater que je pouvais, malgré ma petite hauteur et ma petite minceur, que je pouvais soulever un homme de 90 kilos, le mettre par terre, parce qu'il y a des techniques bien précises pour ça, là j'ai commencé... Ça rebooste la confiance d'une femme. Ça rebooste énormément la confiance. Parce que là, maintenant, on regarde un homme autrement. On se dit... À la limite, même si vous a rien fait, on se dit là, Timal, sur Vinla, ça vine bien. Ouais, vine bien parce que là. Donc, non, mais ça rebooste énormément. Franchement, j'encourage les femmes à pas forcément passer par ce biais-là, mais de trouver un loisir qui permet de reprendre la confiance en soi. De retrouver sa puissance aussi. De retrouver sa puissance, parce que cette puissance, elle est là. Mais c'est vrai que le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, peut générer énormément de pertes, mais aussi de situations comme celle-ci. Exactement. Finalement, cet homme qui t'encourage à sortir de la situation, le judo, tu sors, hein, tu t'en sors. Oui. Avec beaucoup de difficultés. Avec beaucoup de difficultés, mm-hmm. Parce que je suis amenée à partir un jour où mon cher mari n'est pas là. Et là, je prends mes kikis, mes kak, mes enfants et je m'en vais. Cette époque, tes enfants ont quel âge? Les enfants ont 8 ans et 3 ans. Ouais. Donc là, je pars. Je pars, je laisse la maison, je laisse tout, je prends juste quelques vêtements, quelques jouets pour les enfants. Et tu vas où à cette époque? Je pars, je trouve une maison à Bemao. J'avais fait une demande à l'époque dans les logements sociaux, je trouve cette maison-là. C'est un appartement, sauf que les enfants n'ont pas changé d'école. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient devant l'école et il récupère les enfants avant moi. Et il dit aux enfants, votre mère, ou à ta mère, à ma fille, à la grande, il lui dit, ta mère m'a dit de te ramener chez toi. Et donc, ma fille, forcément. Donc, je ne suis restée dans cette maison qu'une semaine, parce qu'au bout d'une semaine, il est venu faire son scandale. J'ai dû de nouveau déménager. Et donc, j'ai un ami qui m'a trouvé une maison sur Basse-Terre. Et là, je suis partie à Basse-Terre. Donc, ça chamboule toute ta vie. Tu changes les enfants d'école, tu es obligé de changer de numéro de téléphone, tu changes de voiture. Tu es obligé de tout changer. C'est possible, ça, en Guadeloupe, de changer de vie? La preuve. De situation. La preuve. Parce qu'il y a une femme qui pèse ça, qui dit, ah oui, mais si tu quittes non là, tu es en Guadeloupe, qu'est-ce que tu fais, ou là, qui peut survivre. Donc, c'est pour... on trouve toujours des personnes autour de soi, dans son environnement, qui sont prêts à nous aider. Une fois que les personnes ont l'information, le plus souvent, c'est « Ah non, mais j'aurais jamais imaginé que tu vis une situation comme ça. » Et puis, vous trouvez des personnes qui vous aident.
Et là, ben, je suis partie, j'ai dû tout changer, tout changer. J'ai changé totalement de vie. Mais pendant une année, j'avais un abonnement à la gendarmerie, quoi, parce que à chaque fois, ben, quand je le voyais, ben, c'était de se manifester par rapport à cette violence. Donc, il fallait que j'appelle les gendarmes, que je porte plainte quand il avait pris des enfants. Non, ça n'a pas été facile. Mais c'est possible. Mais c'est possible. Je dois dire que... Même cette histoire de dire, je peux comprendre les femmes aujourd'hui quand elles disent, oui, ben, il y a la justice, il y a la gendarmerie, il y a la police. Je ne sais pas si maintenant ça a changé. Hein. Mais rester une année à appeler pratiquement tous les jours les gendarmes, je ne pense pas que c'est quelque chose a permis une évolution. Sauf qu'un jour, ça a été, je devais me faire opérer. Et il est venu ce jour-là où il a tout cassé dans la clinique. Parce que je refusais de revenir avec lui. Et donc, il a tout cassé. Et les gendarmes sont venus. Et là, il y a un gendarme qui lui a dit, maintenant, ça suffit. C'est la seule fois où les gendarmes se sont... Non, mais là, ce gendarme, là, il a pris à part, il lui a parlé. Il lui a dit, non, mais là, Timal, c'est bon. Quoi, parce que quand on met des femmes là, ou Kwabaïkou, si au Kwabaïkou, c'est qu'on n'a pas aimé. Si, donc, quelque part, avec toute sa femme qui nie, ou des doigts comme ça, non, ou qu'a arrêté ça. Ou n'a été changé de côté, parce que sinon, nous, un cafou, bon, bémao. Donc, quel déclic qui s'est passé? C'est à ce moment-là que les choses se sont arrêtées. On a frôlé de justesse. Hein. Certaines femmes disent qu'il faut attendre carrément une goutte de sang ou le drame pour voir. C'est ce que les gendarmes disent souvent. Ils attendent que ça part vraiment dans une situation qui fait que. Mais souvent aussi, les gendarmes, ce sont des hommes. Hein. Et puis, même s'il y a des femmes maintenant dans la gendarmerie, je ne sais pas si. Ça reste un milieu patriarcal. Ouais, voilà. Comment se reconstruit après toute. Ces violences, la violence dans le cercle familial, qui est notre premier cercle, hein, qui nous construit, qui nous aide à nous épanouir, à nous développer. Ensuite, cette violence que l'on retrouve avec son premier conjoint, mm-hmm. hein, et pourtant dans un milieu qui ne pourrait pas, hein, on ne pourrait pas s'imaginer, mais un milieu quand même religieux, avec des mm-hmm. valeurs religieuses, etc. Mm-hmm. 12 ans de violence, comment on s'en sort? Comment on se reconstruit après tout ça? On se reconstruit quand déjà on sort de la religion. Parce qu'on se dit, quelque part, on a beau dire, on a beau avertir, ça ne sert à rien. Parce que c'est pareil, hein, dans la religion, on est sur une autorité masculine. Donc, cette autorité masculine, elle vous croit ou elle ne vous croit pas. Mais bon, quelque part, vous restez toujours la femme qui exagère. La femme, parce qu'il n'y a pas de preuves. Hein, on ne vous voit pas avec un œil au beurre noir. On ne vous voit pas. Enfin, bref, je trouve qu'il y a une forme aussi d'hypocrisie. Parce qu'il suffit que... Moi, j'ai vu des femmes dans la même religion qui portaient tout le temps des grandes robes parce qu'elles étaient battues. Elles avaient des coups sur elles. Elles avaient des bleus. Mais elles se cachaient à travers une grande robe. Donc, même si elles en parlaient, on disait « Mais non, mais c'est pas possible ». Donc voilà, c'est pas possible que ton mari soit comme ça parce qu'on n'enseigne pas ça. Bon, enfin bref. Et comment on se reconstruit? On se reconstruit parce qu'un jour, on laisse tout tomber. Et puis on s'assoit. Je crois que j'ai dû mettre une année où j'ai vraiment végété, où je ne savais plus quoi faire. Alors je me suis mariée une deuxième fois. Avec cet homme? Avec l'autre homme qui m'a aidée, bien sûr, voilà. à sortir de là. Qui est devenu mon mari. Les circonstances de la vie font des choses. C'est qu'une semaine après le mariage, j'ai fait un accident de voiture et 10 jours après, il meurt. C'est quand même... Oui. Donc, ce qui fait que là... Mais on travaillait ensemble à l'époque. Et là, j'arrête tout. J'arrête parce que lui, il était à son compte. J'arrête l'entreprise, j'arrête tout. Je végète un peu, je ne sais plus trop quoi faire de ma vie. Il n'y a pas forcément d'argent. Donc, sur notre chemin, quand on prie, quand on croit en soi, quand on garde la foi et qu'on se dit non, mais il y a quelque chose à faire, à ce moment-là, les choses arrivent. Parce que j'ai rencontré d'autres personnes sur ma route qui m'ont aidé. Et j'ai fait un voyage à Paris juste après la mort de mon deuxième mari. Ce voyage était déjà prévu avant qu'il meure. J'ai tenu à ce que ce voyage se fasse surtout pour les enfants. Et là, j'ai rencontré une sœur que je n'avais pas vue depuis 18 ans et qui me dit, écoute, il y a quelque chose sur ma table qui a un sujet, je pense, qui va t'intéresser, qui parlait de biomagnétisme. Et là, je lis l'article
et je vois que ça résonne en moi. Et j'appelle ce centre et je vais faire cette formation-là. Et petit à petit, ben voilà, là, il y a les choses qui se décantent. Qu'est-ce que le biomagnétisme ? Est-ce que tu peux en parler, donner une définition très rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas du tout ? Alors, le biomagnétisme, c'est du magnétisme. Sauf quand on parle de biomagnétisme, parce qu'il y a des techniques déjà, d'abord pour enlever les énergies négatives, c'est-à-dire là où il y a les douleurs, et après de magnétiser l'endroit où on a enlevé l'énergie négative. Voilà un petit peu, en gros, le biomagnétisme. Donc là, je pars pas avec voilà, cette formation-là. Et je rencontre sur mon passage des gens extraordinaires. Déjà, je n'ai pas d'argent. Je dois partir faire cette formation. Donc, j'ai une amie qui me dit « je te paye ton billet ». J'ai un autre qui me dit « je t'achète ta table ». J'ai un autre qui me donne de l'argent pour payer l'hôtel. Toutes les choses se mettent en place. Et là, je reviens et là, je commence à travailler. Là, je commence à travailler petit à petit. Et puis là, je rencontre d'autres personnes qui me disent « Ah ben tiens, tu devrais faire ça. » Donc, ils me donnent des informations. Donc, ensuite, d'autres types de formations. Tu ne t'es pas arrêté là. Après, je faisais une boulimie un peu de formation de connaissances. Ouais. Biomagnétisme, formation sur le développement personnel, médecine chinoise, PNL, thérapie brève. Hein, et parallèlement à tout ça, tu travailles sur toi aussi, puisque tu dis que tu es à la recherche des guérisons, de ta guérison personnelle, comprendre en tout cas le processus de la souffrance, des différentes blessures. Et tu termines avec une formation en sexothérapie. Oui, ouais. Là, ça a été le clou parce que je me suis dit, c'est bien la PNL, l'hypnose, etc. Je me suis fait soigner aussi après la mort de mon mari. Pendant 6 mois, j'ai suivi une hypnothérapie. J'ai vu aussi une psychologue à l'époque. Hein. Donc ça veut dire que quelque part, il ne faut pas avoir peur de se faire soigner. Il ne faut pas avoir peur de sortir justement toutes ces blessures-là. Et donc, une fois que ça a été fait, la formation de sexothérapie, pour moi, elle était importante. Parce que quand on est passé par là, forcément, on n'a pas une sexualité épanouie. On a le corps enregistré des mémoires qui fait que l'autre vous touche. Peut-être le troisième conjoint hein, qui vous touche. Et puis, vous ne savez pas pourquoi. Ben là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne supportez pas. Il y a des mots qu'il va dire que là, vous avez l'impression que voilà, il y a un retour en arrière. Alors que le pauvre, il ne dit plus rien. Mais bon, voilà, les choses sont là. Et la sexothérapie m'a vraiment permis de lâcher, mais de tout lâcher et de sortir de ma zone de confort. Et surtout de sortir aussi dans toute cette croyance familiale, parce que si ouais, la femme ceci, tu n'as pas droit, tu n'as pratiquement pas droit au plaisir, parce que bon, ce que tu fais, c'est un devoir de femme, parce que voilà, ma mère a été élevée dans ces principes-là. Et puis bon, il y a aussi le fait de se dire, ben, c'est mon corps, je fais ce que je fais avec mon corps, et puis maintenant, je décide si je veux, oui ou non, de faire quelque chose avec mon corps. C'est pas à l'autre de décider, et maintenant, de pouvoir communiquer avec son partenaire et de dire non, là, ça me plaît pas. C'est reprendre le contrôle sur sa sexualité. D'ailleurs, tu le dis, hein, je comprends que la sexualité est liée à notre parcours de vie, et entre autres, ressemble aussi au parcours et à la vie sexuelle de nos parents. Ça, j'aimerais bien que tu... Oui, aussi un sens que cela puisse paraître. Lorsqu'on fait une analyse, parce que la personne avec qui j'ai fait cette formation-là, c'est un psychanalyste de renommée qui fait des conférences partout, quand il te voit, il te décortique, quoi. Et en fin de compte, quand il te parle de la sexualité de tes parents. Et après, tu t'aperçois, tu prends la claque de ta vie, quoi. Tu dis, mais il t'a jamais vu, il te connaît pas. Et en fait, il te fait vraiment le parallèle parce qu'il y a un transfert qui se fait dont on n'a pas conscience. Et on se dit, waouh. Parce que je me rends compte que une fois, j'avais fait une émission à la radio où je parlais d'orgasme. Ma mère, à 84 ans, elle me demande, c'est quoi un orgasme? Et moi, je veux dire, j'avais 37 ans quand je suis ce que c'était un orgasme, quoi. Sinon, je ne savais pas ce que c'était qu'un orgasme. Donc, peut-être que j'en ai eu, je ne savais même pas ce que c'était. Mais je veux dire, il y a aussi ce côté tabou de ne pas parler de la sexualité. Et finalement, en tant que femme, on fait des enfants, mais on se rend compte à quel moment on a réellement été épanoui dans sa sexualité. Surtout quand on est passé à travers toute cette vie de blessures. Donc, au bout d'un moment, on lâche tout, on jette tout, et puis on se dit, non, maintenant, je veux vivre pour moi.
Et voilà, avec moi, et avec tout ce que cela comporte en étant moi. Et d'enlever tous ces masques, parce que dans toute cette vie, tu t'aperçois aussi quelque part qu'il y a beaucoup de masques, quoi. Il y a beaucoup de masques, tu es obligé de jeter, tu vois, c'est comme l'oignon. Tu enlèves les épluchures et tu t'aperçois que plus tu enlèves, plus il y en a. Jusqu'à un beau jour où tu te dis, wow, maintenant ça va, j'arrive un peu plus près du centre et là, ça fait du bien. Est-ce que tes filles, puisque tu es maman, tu nous l'as dit au début, de deux filles, comment tu leur en parles de ton histoire, de ton parcours à tes filles? Parce qu'elles vivent en même temps. Oui, elles ont eu des images petites. Et je leur disais toujours seulement, si vous tombez sur un homme qui vous frappe, n'hésitez pas à me le dire. Parce que à l'époque où j'ai vécu cette situation, j'étais prête à tout, j'étais prête à tuer. Je me suis conditionnée un moment pour rentrer en prison parce que je me suis dit, je vais le tuer. Mais on en arrive à ça, c'est malheureux. Mais j'ai répété un petit peu la même chose à mes filles. J'ai dit, mais si jamais vous tombez sur un gars comme ça, vous me le dites, parce que je pense que là, sa mère ne va pas le reconnaître. Mais on en a tellement à faire ressortir que, bon, on cadre les choses. Mais l'idée, ce n'est pas de lancer encore une programmation. C'est tout simplement de dire, ben, vivez votre vie, faites attention, tout simplement, parce que ce n'est marqué sur le visage de personne. Et puis, ben, il faut aussi faire une analyse de soi, même si on est un enfant, de se dire, ben, dans ce que j'ai vécu, dans l'environnement où je suis vécu maintenant, comment moi je me positionne par rapport à ça. Donc j'ai toujours fait en sorte à laisser mes enfants libres pour qu'elles n'aient pas, que moi personnellement, je n'ai pas à leur envoyer ce transfert. On dit que d'une certaine façon, se guérir, c'est aussi guérir, s'aligner, guérir aussi les générations à venir. Oui, oui. Et toute une question de vibration, c'est surtout ça. Parce que plus on baigne dans une vibration basse, c'est-à-dire ce genre de situation où on est dans la violence, les insultes, un mode de vie, bon, pas très sain, cette vibration-là, elle nous poursuit. Nos enfants ont subi ses conséquences. Mais après, il faut juste changer la vibration, changer l'environnement, changer les gens autour de soi, et puis croire en soi, et surtout se faire confiance, et puis aller de l'avant. Moi, je veux dire, mon rêve, c'était quand j'étais au lycée, dans ma tête, c'était toujours j'aurais mon entreprise, parce qu'à l'époque, c'était l'idée d'avoir une entreprise de parfumerie. Mais comme j'étais en France, j'ai fait le reste de mon enfance et de mes études en France. On me disait, oui, ben, t'es noire, ça va pas marcher. Les blancs, ils voudront pas qu'une noire les touche. Donc, voilà. Donc, j'ai changé un petit peu cette optique-là. Mais ça a toujours été que je sois à mon compte, que je puisse avoir mon entreprise, que je puisse évoluer de par moi-même. Et aujourd'hui, est-ce que ce rêve est réalisé après toutes ces péripéties, on peut dire? Ce rêve s'est réalisé, donc je n'ai pas monté de parfumerie, mais à travers les massages, je me suis retrouvée, moi. Je me suis retrouvée alors qu'il y a... peut-être 15 ans, ça fait 15 ans que je fais ça, mais il y a 15 ans, on m'aurait dit que j'aurais fait ça, je m'aurais dit, mais non, c'est pas possible. J'étais pas dans l'idée de toucher qui que ce soit, et encore moins que quelqu'un me touche. Et finalement, c'est venu tellement naturellement que maintenant, ben, j'adore, quoi. Tu fais, Yannick? Dis-moi. Tu as deux cabinets, aujourd'hui, deux cabinets de développement personnel, mais qui ne font pas que du développement personnel, puisque tu proposes également des massages traditionnels, des massages tantriques aussi. Mm-hmm. On va voir un petit peu si on arrive à mettre des mots là-dessus pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, deux cabinets, un qui est situé à Pointe-à-Pitre et l'autre qui est situé à Basse-Terre. Ouais. Voilà, et tu dis, tu aimerais, non seulement tu contribues à la guérison de certaines personnes, mais que tu aimerais aussi former, ça j'ai bien aimé, pour que les personnes soient autonomes et prennent leur propre guérison en main. Oui. Donc, développent leurs propres ressources. Voilà, j'ai également un centre de formation qui s'appelle Eureka. Et à travers ce centre de formation, je forme les gens au massage. Pour moi, c'est un grand plaisir d'amener ces personnes aussi dans ce toucher de l'autre pour qu'il y ait aussi une autre communication. Je forme les gens à la PNL, à l'hypnose. Je mets en place pas mal de petites formations dans le développement personnel. Je suis également vice-présidente de l'association Nova Art et Découverte, qui a pour but de promouvoir les individus à travers le tantra. C'est valoriser, c'est voir sa sexualité autrement,
en tant que femme, en tant qu'homme, d'accepter sa vulnérabilité, sa sensibilité, de la mettre en avant et puis de vivre avec cela, quoi. Alors, à quel type de cible tu t'adresses? Est-ce que des personnes qui ont subi des traumas sexuels, que ce soit dans les deux sens, on parle souvent des victimes, mais il peut y avoir aussi des bourreaux, entre guillemets, je dis bien, qui, parce que tu l'as dit, hein, ton premier mari qui, lui, était violent, avait lui aussi subi des violences familiales. Est-ce qu'il peut y avoir des personnes qui ont subi ces violences, qui se savent elles-mêmes violentes envers leurs compagnons, femmes ou hommes, et décident de venir, pourquoi pas, se soigner avec tes ressources, tes outils que tu proposes? Est-ce que c'est possible? Oui, ça aussi? J'aimerais bien, mais souvent ces personnes-là sont dans le déni. Ils sont dans le déni. Oui. Non, mais ce serait bien de lancer l'appel, parce que si quelqu'un est passé par là, enfin, a été violent et qu'il a pris conscience de sa violence et qu'il s'est soigné, ce serait génial justement qu'il témoigne de cela. On a très peu de témoignages dans ce sens. Voilà, c'est ça. Et c'est quelque chose à faire. Exactement. Mmh. Massage tantrique, qu'est-ce que c'est? Massage traditionnel, massage tantrique. Oui, le massage tantrique, c'est un massage qui permet justement d'éveiller les sens. Mmh. D'éveiller ses sens, de faire... De reprendre un peu conscience de son corps, voilà. Des différentes parties. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant, hein, pour quelqu'un qui a perdu tout contact avec son corps, ou comme tu l'as dit, dégoût, honte. Ouais. Oui, viol, culpabilité par rapport à son corps, mm-hmm. par rapport à ce qu'on est, sa féminité, etc., mm-hmm. voire même sa masculinité. Hein. Oui, c'est une manière de reprendre justement ce contact avec son corps, de retrouver son corps, de ressentir son corps autrement et de savoir que la sexualité, ce n'est pas uniquement que du sexe, mais que la sexualité, c'est juste la sensualité, c'est juste un toucher, c'est un regard, c'est regarder une fleur qui s'ouvre, c'est regarder un coucher de soleil. Tout ça fait partie de la sexualité. Le monde, la création a été créée grâce à la sexualité. Donc, pourquoi avoir banni, diabolisé le sexe qu'à travers cette pratique du rapport sexuel, quoi. Donc ça, c'est un peu, je vais dire, basique et primaire, alors que c'est bien plus grand que ça. Quel serait ton message pour toutes les femmes qui te regardent aujourd'hui et qui sont dans des situations où elles subissent la violence. Tout à l'heure, encore une personne sur le réseau, je crois que c'est Sonia, qui demandait comment on peut rester autant de temps dans de telles situations. Donc, tu vois, encore le regard des autres qui a du mal à comprendre qu'une femme, et tu l'as dit, parfois ce sont des femmes où on ne s'y attend pas. Non. Hein, on ne s'y attend même soi-même pas, déjà, et qui se retrouvent dans des situations comme celle-ci. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ben, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est dans deux jours, c'est la fête des mères. Mesdames, faites-vous plaisir, surtout, et puis faites-vous confiance. Il y a cette petite voix à l'intérieur de vous. Nous avons toute cette intuition qui nous dit des fois, vas-y, c'est le moment, pars, fais ce qu'il y a à faire. On ne peut pas aimer quelqu'un plus que soi, mais souvent c'est pas parce qu'on aime l'autre, c'est parce qu'on est uniquement dans la peur, hein. Mais certaines femmes se leurrent en pensant qu'elles aiment la personne qui les frappe en permanence. C'est un leurre. L'individu n'est pas venu sur terre pour subir aucune souffrance, au contraire, il est venu pour être heureux. Mais si, à travers ce parcours, moi j'ai énormément compris qu'il faut aussi faire un travail sur son passé. Il faut prendre conscience de ce qui s'est passé, prendre conscience de ce transfert qui s'est fait entre les parents, les grands-parents, enfin bref, s'aligner, et puis de sortir de là, de bouger, parce qu'il y a des thérapies aujourd'hui qui sont faites pour ça. Il y en a énormément sur la place. Il y a forcément quelque chose qui ira avec vous, qui va résonner en vous. Donc, sortez de là-dedans, quoi. Sortez de là-dedans, mais... Moi, je rejoins cette dame qui dit, mais 12 ans, pourquoi on attend 12 ans? Il y en a qui en restent 20, 30, il y en a même qui en meurent dans cette situation. Mais en étant dans la situation, on ne peut même pas répondre à cette question. On ne peut pas répondre. Et c'est un jour où on se dit, oui, ce n'est qu'une prise de conscience de la situation et où on prend cette volonté d'agir. Et on se dit, ah ouais, là, maintenant, c'est bon, j'en ai marre, c'est fini. La majorité des femmes prennent la décision quand elles ont eu des enfants. Parce que quand l'homme commence à menacer l'enfant, là, il y a comme un déclic qui se fait dans la tête. Mais je veux dire, n'attendez pas d'arriver là, quoi. Bougez-vous, faites quelque chose, et puis parlez autour de vous. Parce que
Le problème aussi reste par rapport au fait que ben, on reste dans cette culpabilité, dans cette honte, et on n'en parle pas. Et comme on n'en parle pas, parce qu'on n'ose pas en parler, on se dit, bon, on va se faire passer pour une fou, peut-être l'autre va vouloir nous aider, mais peut-être d'une manière qui ne sera pas la bonne, parce que quand même, il y a la peur, il y a la peur. Ben non, c'est d'en parler. Et plus on en parle, et mieux c'est. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'informations aujourd'hui. Il y a des associations, il y a des organismes qui se mettent en place. Certes, maintenant, sur un plan juridique, on bouge beaucoup les choses. Moi, à mon époque, ce n'était pas comme ça. Et je dis, non, si quelqu'un reste encore là, non, c'est que le problème est beaucoup plus grave que ça. Il est beaucoup plus grave que ça. Et là, il faut vraiment prendre conscience que, voilà, qu'il faut sortir de là. Et c'est ce que je veux lancer à ces femmes, c'est que la personne la plus importante sur Terre, c'est vous. C'est vous. Ne croyez pas que c'est la personne avec qui vous vivez ou même vos enfants, etc. Non, c'est vous la personne la plus importante sur Terre. Tu as dit aussi, lorsque vous parliez de mission, rentrer dans le pardon de soi. Oui, parce que la guérison passe par le pardon. Pardonner l'autre. On se pardonne de quoi ? Ben, on se pardonne de son ignorance. On se pardonne. Toutes les fois qu'on a dit, ben oui. On a dit oui, on aurait pu dire non. Ben oui, on se pardonne parce que quelque part, on a été insensé. Hein. Pour moi, insensé, c'est le fait de manquer totalement de sens, manquer de discernement. Donc, on se pardonne de tout ça. Et là, je ne sais pas si j'ai un peu de temps, mais comme c'est la fête des mères, je voulais dire, justement, vous avez beaucoup de manifestations qui sont organisées pour que les femmes se retrouvent, qu'elles prennent soin d'elles. Et justement, je vais juste lancer un mot assez rapide, c'est que le 6 juin, justement, pour la fête des mères, je mets en place avec Vanelle, qui se trouve à Saint-François, des ateliers de thérapie pour toutes les femmes qui ont envie de lâcher prise un moment, de se faire belle, parce qu'il y aura du maquillage, il y aura pour les pieds, le visage, le corps, les massages ayurvédiques, il y aura aussi de l'hypnose, c'est moi qui vais faire de l'hypnose, voilà, de pouvoir, prenez un temps pour vous. Voilà, prenez un temps pour vous, lâchez tout, les enfants, le bonhomme, enfin bref, tout ce qui existe autour de vous, et mettez-vous dans votre bulle à vous, et allez-y, quoi. Tu as dit une très belle phrase que j'ai beaucoup aimée. Rien n'est jamais fini. Hein. Je trouve que ce sont des mots d'espoir sur notre route. Il y a toujours les personnes au bon moment, au bon endroit, pour nous aider à sortir de cette situation. Et surtout, ne jamais laisser ses rêves dans les mains de quelqu'un d'autre. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Il faut juste en prendre conscience. Oui, il faut en prendre conscience. Parce que si vous attendez sur quelqu'un pour vous sortir là où vous êtes, vous allez attendre longtemps. Donc, vous êtes la seule personne à pouvoir faire ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et c'est ça qu'il faut retenir. Vous avez un rêve, quel qu'en soit le rêve que vous avez, allez au bout de ce rêve. J'espère que beaucoup de femmes, en tout cas, ont entendu ton témoignage aujourd'hui. J'espère que ce sera un déclic. On le dit souvent, parfois on se libère, on parle pour soi, mais quelles paroles on nous a zappé toucher, chez conscience en d'autres mondes. Et je pense qu'aujourd'hui, tu es là pour ça aussi. Hein. Je suis là pour ça parce que bon, l'idée, c'est de parler à découvert. Parce que je trouve que quand je regarde un petit peu les informations, quand j'ai le temps, ces femmes restent encore cachées. Elles se cachent derrière quelque chose. Elles sont voilées, cachées. Voilà, parce qu'il y a la honte, la peur. Il y a toujours la peur. Qu'est-ce qu'on va dire? Les voisins vont me reconnaître, etc. Je crois qu'il faut qu'on arrête un peu. Je disais, là, on doit changer de visage. Voilà. J'aime beaucoup cette expression. Non, il faut arrêter. Il n'y a pas une personne, je pense, sur cette terre qui n'a pas eu un problème ou qui n'y a pas de problème. C'est pas en se cachant que on règle justement les problèmes. C'est en se dévoilant, c'est en parlant, en étant ouvert et en n'ayant pas peur justement et de dire oui, voilà, cet homme-là, c'est lui, c'est mon mari, c'est mon compagnon, c'est mon partenaire, c'est un bourreau, c'est un sadique, c'est un pervers narcissique, c'est tout ce que vous voulez, mais montrez-vous et montrez du doigt l'autre aussi, parce que pourquoi ce serait elles qui sont victimes qui devraient avoir peur, qui devraient avoir honte, l'autre aussi. Pourquoi est-ce que dans certains pays, c'est la femme qu'on lapide parce qu'elle a trompé son mari et l'autre... On est toujours dans cette société où il n'y a que l'autorité masculine qui joue, qui prime. Mais à un moment donné, il faut se dire, mais le pire, ce sont les femmes
qui mettent au monde ces hommes, quoi. Donc, à un moment aussi, il faut se poser la question, en tant que femme, quelle est l'éducation qu'on donne à nos garçons ? On n'en parle pas. Ben oui, on n'en parle pas. D'accord ? Ben ouais. Donc, ça mérite peut-être une émission. Exactement. Un projet à venir d'envergure, d'importance, qui a une forte symbolique pour toi, la sortie de ton livre biographique. Oh. Et d'ailleurs, tu l'as dit, il nous reste peu de temps. Elena Radgmasa, qui est une fervente fan sur la page Facebook, qui l'a dit, il faut écrire un livre, madame. Et ben voilà, Elena, on t'apprend que Yannick est en... Oui, je suis en train de l'écrire, ce livre. Exactement. Et j'espère qu'avant la fin de l'année, il sera sorti. Parce que là, c'est 45 minutes... je vais dire de discours, mais dans le livre, il y aura davantage d'informations pour vraiment motiver. Quel est ton objectif au travers de ce livre ? Qu'est-ce que tu as envie de laisser comme trace ? Comme trace, tout est possible. Tout est possible. Le mot impossible a été inventé par l'homme. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est déjà beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Yannick, hein, d'avoir accepté de venir sur ce plateau, de témoigner. Hein. Comme tu l'as dit, on l'offre Kakashi Figi Ayo. Et il est temps que la honte, la peur change de visage. Et que toutes ces femmes, en tout cas, qu'elles aient trouvé fausses, en tout cas, sorties, merde, Ayo, palais. En tout cas, dit femmes aussi, mais il ne faut pas nous oublier ces noms-là aussi, hein, qui a subi aussi violence. C'est parce vrai. Que souvent, nous avons dit, c'est qui madame, mais ni nom aussi. Hein. Peut-être qu'elles sont en minorité. Et en cas, si posé, en tout cas, qu'elles en condition à nom-là, c'est encore peut-être plus difficile aussi de parler de toutes ces formes de violence. Qui c'est faux violence psychologique, mm-hmm. qui c'est violence physique aussi. Mm-hmm. Donc, nous voyons belle force, hein, tous ces moules-là, ça. Oui, et puis on repart avec ce message fort, hein, comme tu l'as dit, tout est possible. Mm-hmm. Pas laisser destiné à en mettre en d'autres mondes. Mm-hmm. Et premier monde pour aimer, c'est vous-même. Hein. C'est clair. C'est vous-même. C'est clair. Hein. Et on prend confiance, on prend puissance. Hein. Mm-hmm. Et puis sortir dans cette situation-là, parce qu'elle vous dit, Yannick, nous pas fait cité pour nous faire ça. Nous pas vine pour nous souffrir. Nous pas vine pour nous souffrir. Encore une fois, merci beaucoup, Yannick. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Ah ben, pour la suite, eh ben, que ce livre sorte et surtout que ce livre soit, je vais dire, un message pour beaucoup et que on continue à faire notre chemin et que surtout que chaque individu sur cette terre continue à faire son chemin d'avoir ses rêves et puis voilà, d'aller au bout de ses rêves. C'est ce qu'on te souhaite. Voilà. Toi aussi, tu continues. Merci beaucoup. Encore une fois, merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur les réseaux. On nous dit témoignage sincère et très poignant. Teddy Chelounou qui nous envoie beaucoup de force. Myriane Pujol-Valentin, elle est sublime, cette femme. Elle a bien rebondi. Super, félicitations, nous dit Sonia. Félicitations, Janine, nous dit Caroline Nanouche. Myriane Pujol, félicitations, madame. Je vous comprends à 1000%. De très beaux retours sur cette émission. Merci encore une fois de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec nos deux rendez-vous hebdomadaires, mardi le clin d'œil événement et le vendredi secret de femmes. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je prends le temps puisque c'est la fête des mères. Les femmes sont mises à l'honneur, on savent qu'elles ont loi dans notre cas. Faut pas nous attendre jour là, ça seulement pour nous célébrer la femme et les mamans fortes que nous sommes. Mais pourquoi pas profiter de ce jour là aussi pour faire un geste complémentaire, un geste supplémentaire. En tout cas, moi je vous envoie beaucoup de lumière, on pile l'en mou. Profitez de week-end à Zot, prends soin de Zot. On l'a dit, on l'a redit durant cette émission. Votre priorité, c'est vous. La première personne que vous êtes censée aimer, c'est vous, mesdames. Alors faites-vous plaisir en ce week-end, même pourquoi pas en solo, en famille. Voilà, profitez-en. Encore une fois, en l'eau, l'en mou, au pillage. À bientôt.